Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben, moi ça va très bien, à part que dehors il pleut, on est dimanche, il pleut à verse, il fait gris, c'est très très moche. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous présenter le lot du concours. Bon, je sais que cette vidéo elle aurait dû être faite depuis longtemps, mais bon, comme vous savez, hein, les aléas de la vie. Voilà, donc je vous rappelle que vous avez jusqu'au 27 avril pour participer au concours, donc vous avez encore le temps. Pour participer, vous devez faire un ABC, m'envoyer un mail. En retour, je vous envoie mon adresse personnelle et vous m'envoyez votre ABC et je ferai le tirage au sort le 27 avril. Voilà. Donc, je vais vous montrer le lot. Je ne sais pas s'il y aura que ça, si je vais rajouter des choses ou quoi. Tout dépend de, voilà, de mes trouvailles, quand je fais mon rangement ou quand je scrape. Voilà. Donc déjà, je vais vous mettre un petit carnet comme ceci qui vient d'Action. Hop, avec des sequins, des papiers lignés. Donc voilà, un petit calepin comme ceci. Hop, très joli, j'aime bien. Et surtout, quand c'est en noir, je préfère, il est plus beau en noir. Ensuite, qu'ai-je donc eu? Un cadre en bois comme ça à customiser. Voilà. Ça, je sais plus d'où ça vient. Je ne saurais pas vous dire. Ça fait longtemps que je l'ai acheté. Autant qu'il vous serve. Une boîte de diamond painting. Ce sont des cartes à coller les diamants dessus, juste à certains endroits. Donc ça, vous avez, il y en a quatre dedans. Le chat, le cochon, le chien et l'oiseau. Moi, j'ai acheté en double sans m'en rendre compte. Donc voilà, autant qu'il vous sert. Un petit bloc de papier comme ça. C'est le thème Noël, mais bon. À réfléchir, je ne m'en servirai pas. Il est tout neuf. Donc autant vous l'offrir. Ensuite, on a quoi? On a du scotch magnétique comme ceci. Une souris de colle, hop, qui viennent aussi d'Action. Nous avons 5 pattes d'encre dans les teintes rouge et noir. Voilà, je m'en sers pas non plus. Autant vous en faire profiter. J'ai mis 5 petits rubans, non, 5 petits rouleaux de masking tape, comme ceci. Nous avons un petit bloc de stickers. Je ne sais plus d'où ça vient, ça, par contre. Deux stylos, deux marqueurs à eau pour embosser. Voilà. Nous avons des tampons en bois. Bah, pareil, hein, ça vient de chez Action, la plupart, je pense. Mais je m'en sers pas, en fait. J'ai une grosse caisse de tampons. Et au final, je m'en sers jamais. Donc, autant faire de la place. Hop. Maintenant, je fais plus attention à ce que j'achète. Acheter des choses que je sais que je vais me servir. Donc, ben, voilà. Ça, c'était des achats un peu compulsifs, on va dire. Donc, autant vous les offrir. Moi, ça me fait de la place. Et ça peut peut-être vous faire plaisir. Donc voilà, des tampons, un petit tatégé comme ceci que j'ai fait il y a un moment de ça. Un petit album en forme de tag comme ceci que j'ai fait avec les dies d'Action et du papier aussi qui vient de chez Action, je crois, sur le thème tropical. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez, soit vous le gardez en album, voilà, vous en faites ce que vous voulez, je vais vous dire. Et ensuite, donc je m'étais acheté une planche comme ça, une punch board pour faire des tags. Et en fait, je l'ai acheté et en fait, ma copine Sabrina me l'a offert aussi. Elle savait pas où je me l'étais acheté, donc elle me l'a offert. Donc je vais garder le sien comme c'est un cadeau. Et je vais vous offrir le mien, parce que ça ne sert à rien concrètement d'en garder deux. Hein, faut être honnête.
Du coup, voilà, autant qui traîne dans un tiroir, autant vous en faire profiter. Je vais vous montrer 2 minutes, je vais chercher un papier et je vous montre comment ça fonctionne. J'ai pris une chute de papier, je ne sais pas s'il est bien coupé droit, mais bon. Donc, vous allez ici, vous avez des graduations. Donc, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Vous allez, par exemple, mettre... au H, voilà, sur la ligne du H, vous refermez, vous prenez la petite lame qui est ici, vous venez la passer, hop, ça vous coupe un coin, et ensuite vous retournez votre papier, vous le mettez sur le H, comme voilà, vous recoupez. Et vous avez votre petit tag. Et ici, vous avez une petite perforatrice. Bon, là, il faut bien se mettre... Il faut essayer de se mettre au milieu. Alors, c'est pas facile. Vous appuyez et ça vous fait le petit trou. Bon, c'est pas très droit. Mais voilà, ça vous fait un petit tag. J'avais offert le même à Sissi... dans un échange, je sais plus ce que c'était. Le swap de Noël, je crois. Je sais plus. Bref, j'aime beaucoup cette petite planche. Donc, voilà. Autant vous en faire profiter plutôt qu'elle traîne dans un tiroir. Ça sert à rien. Donc, voilà. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 27 avril pour participer. Je vous mets le lien de la vidéo ici dans le petit i d'information. Et voilà. Ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous plaira. Peut-être je rajouterai des choses entre deux, selon mes trouvailles, hein, comme je vous ai dit. Voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!